Moi je viens d'un pays d'internet infini où tu surfes pendant des heures. Où pendant ton sommeil, même les trolls te harcèlent. C'est bizarre ça, mais c'est chez moi. Quand le poids vient du net et de sites pas très nets et s'insère profond dans ton corps, c'est l'instant envoûtant où tu trouves en cliquant une véritable mine d'or. Aux nuits d'insomnie, mille jeux de folie, tout ce que tu joues juste après minuit jusqu'au lever du jour. D'insomnie, mon regard devient lourd, comme un fou qui se perd au cœur d'internet à travers l'amour. Bonsoir, je suis Bob Lennon, chers amis, et bienvenue dans Ultra Shot Lifting 2 Galaxian World Championship. Voilà, Shark Lifting. Oh, cette musique. Oh là 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 là, ça nous en met plein dans la bouche. On est rentrés, braves gens, rentrés de Nouvelle-Calédonie. Et en parlant de Nouvelle-Calédonie, il y avait des requins, il y avait des tortues, il y avait des schnecks. Il y avait des schnecks à l'infini et tout se passait extrêmement bien, chers amis. Mais du coup, en l'honneur de la Nouvelle-Calédonie direct, on fait du shark lifting et on se lance avec une difficulté normale, s'il vous plaît, calmons-nous. Oula, oula, du texte, oula. Après quelques années de galère sur le circuit de catcheur professionnel à la WWE, Maxim von Swolder 3 a décidé qu'il était temps pour lui de changer de carrière. La vie de la plage... Le soulevage de choses sur la plage ont toujours été un hobby très personnel et casuel pour lui depuis plus de 10 ans maintenant. Dans les temps récents, cependant, il y a une nouvelle variation qui a commencé à circuler sur les cybercafés costauds. À travers tout le monde entier, ce qui a retenu son attention. Le soulevage de requins. Oh, mais qui suis-je, moi, pour faire face aux dieux de la mer eux-mêmes avec mes pitoyables, magnifiques, musculeux muscles? Est-ce que ça pourrait être ma véritable carrière? Pourrait-ce être mon destin? Après avoir vérifié sur Internet qu'il avait vu l'architecture des Mayas et des Incas et des prophéties... très ancienne, il a vu des tablettes gravées par les Aztèques d'un homme qui soulevait des planètes et des animaux tout entiers. Une révélation avait frappé Massive dans la tête. Oui, je vais traverser monde et remplir la prophétie aztèque du muscle. Il commença une prière, il a commencé à flexer en face d'un miroir. Il prend son jus. Ne prenez pas de drogue, les enfants, c'est pas bien. Et du coup. Il a décidé d'aller faire face au monde entier. Oh là là là, next destination, Puerto Rico. Ah bah c'est là. Très bien, location à Rincon, à Puerto Rico, je sais pas où c'est. Et on peut soulever un requin des Caraïbes. Un requin des côtes caribéennes, allons-y. Ok, on se motive et clique. Miss Trunk. Viril. La musique qui te met bien. Allez, prochaine destination, Hawaï. Alors Hawaï, où est-ce que c'est? Ça devrait être là. C'est pas là, Hawaï? Non, je déconne. On peut monter? Ah putain, je fais le tour de la planète, c'est bien foutu. Attends. Hawaï. Très bien. À Oahu. Oahu? Oahu? On ne sait pas. Un sandbar shark, allons-y. On se concentre, on craque son doigt, on craque le bénouze. Oh, elle est mignonne celle qui fait du... Ah putain, par contre... Ah non. Ah, c'est un ladyboy, tout va bien. Je passerai te voir ce soir, gamin. Et voilà. Pour Massive Von Swolheim, ce soir, c'est Boy Pussy.
Massive a été impliqué dans un quiz de crabe local, enfin une compétition de quiz de crabe local. Il va falloir flexer les muscles du cerveau, allons-y. Essaie de te souvenir où se trouvent les 6 crabes et fais de ton mieux. Ok, où sont les 6 crabes? 1. Un crabe. Pec, 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 donc petit L allongé. Extrémité, ok. Petit L allongé, extrémité et bas. J'ai... Ouais, j'ai trouvé les 6 crabes. Très bien, prochaine direction, le Portugal. Le Portugal, le Portugal. C'est quelque part en France, dans mon jardin, ça fait le sol. Ah voilà, c'est là, très bien. Carabita, Portugal. Un port Beagle Shark. Eh ben, je sais pas ce que c'est, mais il est mignon en tout cas. Allons-y. Oh là là, il flex! Waouh, mais ça, c'est pas un animal du Portugal, ça, si. Bon. En tout cas, elle devrait pas être brune et plus poilue. Bon, je parle mal. Allons-y! Oui! Viril! New record! Parfait, on va au Pérou. Pérou, ça doit être quelque part. Où est le Pérou? Ah, Pérou! À Lima, très bien. Là où il y a des lamas. Ah putain, on trouve des requins au Pérou? On trouve des requins au Pérou? Et puis des nurse sharks. Ok. Oh là là! Viril le mec, viril! Oh, ce mouvement! Pouah! Ok. Allez, on se prépare et on soulève un lama! Lamastico! Lamastico! Lame! Viril! Quel jeu à la con! C'est un plaisir de pouvoir jouer à ça sur la chaîne Brave Jean et oh mon dieu! Le nouveau. Ah d'accord, la nouvelle chaîne de télé Gossu Pony Play était en live sur la scène alors qu'il a. Ah d'accord, c'est un newspaper, ok, très bien. La Newsweek de Gossu Pony Play était en live sur la plage au moment où il y a eu un soulevage de requins, une compétition grave à Lima, au Pérou, où un grand gagnant a été couronné après avoir soulevé un immense requin infirmier. Le nom de cet homme, c'était Massive Von Swalder 3, qui a été un souleveur de requins quelques années après s'être retiré du circuit de catch professionnel. Et il a commencé à faire un tour du monde dans son jet privé afin de soulever de plus en plus de requins. Il va falloir le surveiller, brave Jean. C'était votre update de sport semi-hebdomadaire. Sperglord 420, à vous les studios. Sperglord 420, à vous les studios. Ça, c'est bon, ça. Ah bah d'accord, Afrique du Sud. Ah! Pour arriver à l'endroit où tu soulèves des requins, Massive doit prendre le bus. Il faut le guider. Oh putain! Venez la bourre! Oh, pimpin! Barrez-vous! Après le désert bus, le désert bang bus! Mip mip! Pas mal ça. Et Big Nose Shark, allons-y. Attends, on place la souris. On se craque le doigt. Ah! Voilà! Viril! Oh là 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 là! Absolument magnifique, hein. Le vieux en moule bite, il était imbloquable aussi. Les îles Fidji, c'est où? C'est où les îles Fidji? C'est pas... Non, c'est pas là. Ah, attends, si c'est pas là, ça doit être à une autre extrémité. C'est pas à droite de l'Australie? Ah, si, 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 voilà. Très bien. Sur un super yacht dans les îles Fidji, un silver tip shark. Ah, effectivement, regardez, il a un bout en argent, c'est adorable. Oh là là! Jessica Von Musk! Oh, cet homme avec le slip! Oh là là! Chaussettes sandales! Joueur du grenier Incorporated, le respect! Ah, je soulève requin comme moi soulevez mer! Je vous soulève toutes! Eh ben putain! Bon
bonus. Massive a fait est arrivé jusqu'en couverture de Requin Illustré, le magazine Requin Illustré. Il doit en signer autant qu'il peut pour une session d'autographe. Ah merde, c'est comme en convention. Ok. Voilà. Pour qui? Jérémy. Jérémy avec IE ou Y? Mathieu. Oh putain, Mathieu. 2 T, 1 T, 1 H, pas de H. Mathieux, Mathieult. Thibaut, d'accord. Thibaut, juste avec un T. Donc c'est Thibaut. Et toi, c'est Thibaud. Très bien. Excellent. Thibault. Allez, on y va. Formidable. Il m'a le dit. C'est où les Maldives? Putain, c'est où les Maldives? C'est au sud de l'Inde. Ah, on apprend des choses. Pasta Point, Maldives. Pasta Point? Il y a la pointe des pâtes dans les Maldives. Genre, il y a un village, ça s'appelle Féculent. Genre, c'est Peneriate. Non? Bon, d'accord. Ah, oh là 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 là, mais quel homme! Quel homme! Putain, ce jeu qui nous apprend la géographie, quoi. Après l'événement, un homme musculeux s'approcha de Massive, qui le salua en pensant que c'était un fan. Mais l'homme avait l'air très très intense et a commencé à augmenter sa puissance. Zup! Je suis Galacticus Prime! Tu marches sur notre territoire, Swoledre. Je suis un super-humain de la planète Primus, où nous avons un entraînement du haut du corps qu'aucun humain ne peut survivre. Les requins Mako sont ma spécialité. J'ai déjà soulevé le long fin plusieurs fois dans mon sommeil, parce que je suis gigantesque avec mes muscles. Est-ce que tu penses pouvoir le faire? Je déclare notre rivalité ouverte. Avec ça, l'homme marcha dans la nuit en flottant tellement il était... L'homme flotta dans la nuit au lieu de marcher, tellement la masse gravitationnelle de ses muscles gigantesques le soulevait de la planète. Massive le regarda bouche bée, mais il savait que ce ne serait pas un rival facile à vaincre. Et le long film était considérablement plus grand que tous les requins qu'il avait jamais pu soulever. Oh, ce drama, putain, mais il y a une histoire et tout. San Diego. C'est où San Diego? C'est aux US, ça? Ouais, c'est ça. Ah, j'aurais pas mis là, moi, j'aurais mis au milieu. Non, voilà. Très bien. USS Lincoln. D'accord, on est sur un navire de guerre. Goblin Shark. Ah, effectivement, c'est un gobelin. Ok. Central, il y a un mec qui soulève des requins sur la piste. Affirmatif, c'est normal, laissez-le faire. Ouais, mais il empêche le mythe de décoller, qu'est-ce que je fais? Eh ben, regarde-le, il va à la salle de sport. Putain, Pierrick, on en a déjà parlé. Écoute, t'as pas besoin d'être aussi blessant, on peut rester professionnel aussi. C'était un coup d'un soir, ok? Non, t'es en train de tout déballer devant tout le monde, là. Allez, lâche-moi! Le requin lutin, allons-y. Ah, commence à avoir mal au doigt, la retraite approche. Équador, ça je sais où c'est l'Équador. Vite! Vite! Le mieux c'est de rester sur une lane. Barrez-vous! Et voilà. Nous y sommes arrivés à temps. Montanita, Ecuador, le Lemon Shark, c'est un requin à tout jaune. Il y a vraiment autant de types de requins? Alors j'en doute pas, mais... Oh là là là, ça se la pète. Wouah! Oh, la poitrine plus imposante que celle de Dominique Strauss-Kahn! Moi, ça me fait bander! Oh là là! En tout cas, voilà, quoi. Étant confiant à propos de ses victoires récentes, Massive a eu une épiphanie sur les circonstances et les méthodes de progression.
Je pense que toute la rigoureuseté de cette mer viking qui pulse à travers moi après avoir soulevé, quelle espèce de créature puissante et majestueuse. Ah, le poisson c'est l'amour, le poisson c'est la vie. Qu'il se nourrisse autant que je me nourrirai ce soir. J'aurai besoin d'au moins 24 sur 24 burgers pour maintenir cette puissance. Mes muscles sont gigantesques. Ok, d'accord. Donc il est en pleine délusion. Si vous abusez de la drogue, c'est ça qui se passe, les enfants. Un sand shark. Putain, ça existe? Ok, on est bien. Oh là là, ce boule. Allez. Ah, Sibia, Sibawi, Sibawa. Putain, trop tard. Ah. J'ai pas le record du monde, de pas grand chose. Bon, England. C'est au Pérou, ça. Voilà. Corps noir, England, des Blue Sharks. Putain, mais ça se trouve même jusque là, il y en a partout de ces saloperies. Oh là là, avec le vieux. Oh là là, cette jury. Ok, alors attends, on place le... Attention. Et on donne tout. Non, je suis sorti de l'écran. Ah, j'ai tout fait planter. Ah non. Non, c'est le bug. Et c'est Facebook du mal. Le Facebook du mal. C'est pas grave. On revient tout de suite, brave gens. Trop de muscles. Cette puissance musculaire qui dépasse tout. Heureux, chers amis, heureux, c'est bon, on est revenu. Attends, ce coup-ci, je vise bien. Ah, voilà. Ah, ben c'est sûr que quand j'utilise la main avec laquelle je me masturbe... Alors... Oh, Massif se repose après l'événement dans un string, quand soudainement son manager l'appelle tout d'un coup. Allô? Hey mec, c'est super, c'est un super boulot que t'as fait, très impressionnant le sauvage de requin. Cependant je pensais mon gars, peut-être qu'on pourrait changer ton nom parce que là j'ai envie de dire, le tien actuellement il est trop proche de ta carrière dans le catch, ça te retient mon vieux. Ma carrière dans le catch? Pourquoi tu parles de ça alors dans cet temps glorieux, hein manager? Eh ben, je pense que c'est du marketing, il faut que je te l'explique. Bon, ben, je pensais à un truc innocent, peut-être un nom qui te la pèterait, genre War Machine, tu vois, ou alors un truc du genre Jack Ed McHugh, tu penses à quoi? Ça énerve, Massif, non? Il faut que je boive un milkshake à la protéine maintenant pour calmer ma frustration. Massif claqua le téléphone et il se brisa en 1 000 000 000 de morceaux. Les managers ne comprennent pas la passion du soulevage de requin. Ils n'y comprennent rien. Oh, à Kamogawa. Un shark saumon. Un requin saumon. D'accord. Siri! Easy! Fou! La passion! On va en Australie. Voilà. Il faut aller vite. Vite! Vite! Plus vite! Plus de vitesse! J'utilise tous mes muscles dans la pédale d'accélération! Mets-toi à l'avant du bus! Quoi? Mets-toi à l'avant! La gravité fera accélérer! Oh. Ça fait pas de sens. Gold Coast, un bull shark. Ça, on connaît. C'est le requin qui est utilisé pour tous les films Les Dents de la Mer. Ok. D'ailleurs, c'est un bel enculé. Hein. Oh, ça lift du... Ça lift un dauphin, le pauvre. Ok. La Lady Boy qui est toujours prête. Oh là 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 là. Allez. Faut quand même cliquer, hein. Bonus level, ah mon dieu. 6 crabes, allons-y. Allons-y.
ça. Tac, tac. Pec, pec, pec. Et voilà! Trop rapide! Et on va en Nouvelle-Zélande. Voilà, c'est pas très loin de là où j'étais, à Nouméa. Mau Bay, Nouvelle-Zélande, Copper Shark. Putain, il est beau. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allez. Ah, c'est bon, j'ai le record. J'ai faibli pendant une microseconde, mais ça se passe bien. En France, enfin. Parce que là, on commence à faire pas mal de... Pas mal de destinations, là, on va en manquer. Wouah ! Le marteau, enfin le requin marteau, comme quand j'étais petit. Adorable. Il est si gros que ça, l'enculé. Et mais putain, oh, qu'est-ce que c'est que ces costumes. Ça se voit qu'on est en France, hein, pour porter les maillots de bain pareil. Allez, barrez-vous les mouettes. Barrez-vous. Greenpeace a appelé. Ils veulent récupérer leur requin. Fou. Et ben on est pas mal. Ah, pardon. Un petit reportage pour le magazine de Culture Physics. Il y a eu une compétition de soulevage de requins. Il y a eu un record dans la province de Osgore, en France, par un homme qui s'appelait Massive Von Swaller 3. Il a soulevé le requin marteau de 700 livres. 700 livres. Alors, l'avantage, c'est comme on est sur Google, regardez, je peux faire ça. Excusez-moi. 700 LB in kilos. Et ça fait 317 kilos. Ah ouais, d'accord. Ah, quand même, ça respecte. 317 kilos. Le déviantard des fans de Bob Lennon. Bah oui, bah j'ai toujours, moi. Hein. C'est là où je prends des... C'est là où je prends les artworks, braves gens. Les mecs se foutent de ma gueule sur le chat. Par contre, ça ne mentionne pas Dragon Ball Multiverse. Là, ça parle bien. Ok, très bien. Il a donc soulevé un truc de 350 kilos. Et personne n'a réussi à le faire depuis que le runner le plus proche, Brock Reutemann, avait soulevé un poisson similaire qui pesait presque 325 kilos en 1972. Après avoir soulevé le requin massif, Massive a dit... Massive a exclamé... Soulève-toi au ciel où tu existes réellement, créature divine. D'accord, c'est bourrin. Ça fait beaucoup de points. Hein. 750, ça commence à faire 375 kilos. Hein. Ça déconne zéro, les mecs. Hein. Go! Il y a des bidons nucléaires au bord de la plage du Japon. Ça fait aucune différence. Je n'ai pas besoin de super pouvoir, je suis massif! C'est beau! Oh là 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 là, il va falloir signer mon gars! Hop là, les japonais qui sont fous! Oh! Massif Osama! Koto! Massif Dono Desu! Tira! Chaque lifting contest! Oh, sugoi! Kinya Kucho Doini! Sugoi dessus! Oh! Cet autographe, c'est un bon corps. South Africa. Combien de temps il dure ce jeu, putain? C'est quoi cet épisode qui dure 30 minutes? Sur un bateau cargo. Eh ben. Allez. Putain. Massive qui va avoir un animé bientôt au Japon. Les doujin qui sont déjà créés, le mating press qui est respecté. On va à Bali. Voilà Bali. C'est où Bali? Putain, c'est où Bali? Bali Balou. Ah, c'est là. D'accord, je savais pas. Plus vite. En tout cas, on va à Bali, mais vite! Vite! Voilà. On s'est bien mis à l'avant du véhicule, ce qui fait qu'on a vraiment utilisé toute notre puissance gravitationnelle pour battre tous les records. Level 18, il y en a combien des levels? Oh là 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 là! Allez, on y va. On va essayer d'impressionner les indonésiennes.
C'est parti. Allez, les Lady Boys, alignez-vous. Hop. Ah ! Oh là 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 là, ça devient complexe, hein. Il y a toujours Poutre la Loutre avec nous, hein. En considérant la possibilité d'un documentaire étant filmé sur le voyage autour du monde de Massive, Massive s'entraîne à faire un monologue d'introduction. Un homme, une quête. Un homme, une quête. Sauver cette créature gigantesque, ce prédateur immense. Non, pas un seul homme. Non, pas un seul homme de la célébrité du muscle. Non, attends. L'homme contre le requin. Requin est gros, mais homme est plus gros. Moi, Massive Von Svore des Trois, je vais l'écraser. Très bien. Il a trouvé son texte. Encore au Portugal? Eh ben putain, décidément, 795, ça commence à faire 400 kilos, les enfants. Ça écoute zéro. Attends, je vais placer la souris bien parce que... Ah ! Voilà ! Je suis obligé... Voilà. Je suis obligé d'y aller à la main sérieusement, parce que là, ça commence à devenir sérieux. Taïwan ! On va affronter Sagat. Oh, il est stylé, ce poisson. Ah oui, bah forcément, on est à Taïwan, donc ouais, les plages, voilà. Ça parle mal, mais on se place bien. Ah, eh mais putain. Bob qui sort les strats track and field. Ah bah oui, obligé. Obligé. Scrubblers United Weekly a eu la chance de rattraper les événements récents de la star internationale et du grand vainqueur du soulevage de requins Massive Von Svore les 3 pour quelques commentaires d'après la performance. Où est-ce que vous pensez que le soulevage de requins se tienne en sport aujourd'hui, hein, dans l'oblogsphère d'aujourd'hui? Essayez d'expliquer ça en utilisant une tier list. Massive, il est là pour rester. Massive va soulever tout requin. Bébé requin, grand requin, maman requin. Est-ce que vous êtes requin? Vous avez requin? Tout le monde se fait soulever. Et il n'y a aucune conséquence pour Massive. Ça n'a pas d'importance pour Massive. Tout est soulevé. Excellent, excellent. Et qu'est-ce que vous pensez de la soupe de requin? Massive est grand. Massive est gigantesque comme keg à bière. Tout le monde et toute chose se fera soulever. Se faire soulever comme un étudiant de lycée du Colorado se fait soulever sur son anniversaire. Se faire soulever comme une pop-pom girl la nuit de la victoire des championnats. Se faire soulever comme les bras massifs de Massif qui ont besoin de grues industrielles juste pour bouger. C'est très difficile de me masturber. Très bien, du coup. Massive va jusqu'en Thaïlande. Et on va le Great Hammerhead Shark. Eh ben putain. Ok, on se concentre. Performance incroyable. Massive! Massive soulève tout! Et oui, Massive est russe, cassez pas les couilles. Hong Kong. Long fin. On va essayer de le... Ah, c'est un long fin. On va essayer de le soulever juste à la force de notre doigt et pas en utilisant les strats. Quoique non, il faut. Attends, et on va faire ça à la force, c'est parti. Voilà. Où est le mégalodon, bande de putes? Fou. Dans toute sa joie, Massive s'est fait interrompre cependant par le regard d'acier de son rival, le souleveur de requins Mako interplanétaire, le maître absolu Galacticus Prime, qui approuvait d'un hochement de la tête. Impressionnant, humain! Aucun mortel n'a jamais fait ce que tu as fait, cependant tu es trop tard. J'ai déjà pris ma retraite de soulever des espèces de petites créatures aussi ridicules. Et maintenant je soulève des...
baleine tout entière. La compétition de soulevage de requins est toute à toi. En réponse, Massive regarda à nouveau son ancien rival et flasha ses biceps pour célébrer. Galacticus hocha de la tête et s'enfuit avec une... et s'enfuit en utilisant son mulet tel une cape intersidérale. Pas mal. Ok. Greenland Shark. Ah! Ok. Eh ben. Ça commence à faire des belles bestioles, hein. Et on retourne au Pérou. Ils sont de plus en plus gros, au secours. Au secours. Une tonne. Machin, il presse une tonne. Il pèse presque une tonne, ça veut rien dire, attention. Ah. Voilà. L'homme au slip s'est même pas fait blanchir par le... par l'écran. L'homme au slip, il est présent, si tu veux. La newsletter de Ocean Science Worldwide a fait un rapport sur une compétition de soulevage de requins lorsqu'elle s'est terminée dans un homme qui s'appelait Massive Mansfarer à 3 en soulevant un requin-tigre tout seul. Une religion de soulevage de requins a commencé sur certaines îles à côté de Lima, au Pérou, où l'événement a pris place. Le soulevage de requins a dépassé la popularité de YouTube, et avec tous les clics, dans la catégorie de tous les sports jamais regardés. Eh ben putain. Bon bah, Squeezie a plus qu'à aller à la salle, hein, c'est ce que j'ai à dire. Do you even lift? Allons-y. Plus vite! Oh, le perfect! Semi-perfect. Petit perfect? Toujours imperfect. Micro-perfect. Complète perfect, absolu perfect. Total! Record battu, c'est perfect. Bon. Alors lui, il fait 5000 kilos, on va faire ça au doigt. Quoique non, on va impressionner la galerie. Je vais vous montrer la puissance de Massif. Victoire. Hong Kong. Il y en a encore des plus gros? Non mais, voilà. Ok, on y croit. Big Way Bay à Hong Kong. Basking Shark. 8500 livres. Ça fait combien, putain? Ça fait combien? Il y a des posters massifs. Oh la vache. Oh le marketing. Allez. Et voilà. C'est facile, 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 facile. Ça a démonté. Nouvelle-Zélande. Oh là là, Whale Shark. Un requin-baleine. Du coup, attends, c'est plus un requin ou une baleine? Parce que Whale Shark. Est-ce qu'il y a des sharks whale? Du coup, est-ce qu'il y a des baleines requins et des requins baleines? Est-ce qu'en fait c'est un mix-up? 47 000, ça fait combien ça? Ça fait beaucoup, hein. Ça a l'air de faire un beaucoup, hein. Mon dîner est bientôt arrivé. Deux hélicoptères de combat de l'armée américaine le transportent pour la gloire du Pérou! Oh là 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 là! On est pas mal. Puerto Rico, on dit que c'est le plus gros poisson du monde. Il n'y a pas le mégalodon, mais c'est pas un truc qui n'existe plus, le mégalodon, normalement. Rassurez-moi. Un mégalodon. Bon, bah, on en parlait, hein, écoute. J'ai vu une mâchoire de mégalodon au musée aquatique en Nouvelle-Calédonie, et effectivement, hein, ça fait. Bah, ça a le diamètre de ta porte, donc ça déconne zéro.
Il était vrai que, pendant tout ce temps, les scientifiques avaient prédit qu'une telle créature pouvait exister. Un requin gigantesque, faisant plusieurs fois la taille d'une baleine. Une créature légendaire et mythique qui a enfin été découverte et amenée jusque sur les plages. Des hélicoptères, des reporters, des chercheurs, des gardes côtiers, des gardes nationaux, des militaires. Tout le monde était là. Même la maman de Massive. En voyant ça à la télévision, Massive médita. Ses muscles étaient tendus avec la rage de vaincre et toute la force de la galaxie. Il sentait que c'était le moment et il savait ce qu'il devait être fait. Tous les succès précédents n'étaient qu'un entraînement, n'étaient qu'un commencement jusqu'à ce moment. Il était temps d'atteindre les statues légendaires. Il se téléporta sur sa localisation, utilisant la gravité générée par la taille massive de ses muscles. Plusieurs gardes armés tentèrent de l'arrêter, de l'empêcher de s'approcher, mais ont été immédiatement assommés en posant simplement les yeux sur les trapèzes gigantesques de Massive. Les autres se sont mis sur le côté sagement et les caméras ont commencé à tourner la vidéo de l'histoire. Il n'y avait rien dans le monde qui pouvait arrêter cet homme maintenant. La destinée de Massive Von Svoled III et les prophéties aztèques du géant des eaux profondes étaient enfin alignées dans un moment parfait avec les planètes et une éclipse. C'est maintenant! C'était fait. Massive avait soulevé la créature la plus légendaire, malgré toute la tristesse des scientifiques, très inquiets à propos de la préservation de la créature, qui maintenant était impressionnée par l'anomalie scientifique de cette overabondance de muscles, de cette surabondance de muscles qui se tenait devant eux. Massive flexa encore une fois ses muscles pour eux et pour les appareils photo, en finissant avec son speech de victoire. Salutations à tous! J'ai voyagé loin, et très loin, j'ai soulevé beaucoup requins. Des collines de la Côte d'Or jusqu'aux cracks de la Nouvelle-Zélande, jusqu'au reste nucléaire d'Okinawa. J'ai tout vu, j'ai tout soulevé, et j'ai je suis en pleine ascension, je deviens quelque chose de supérieur. Avec cette victoire, je deviens divin! Tout le monde applaudit ça en approval. Tout le monde applaudit ça pour approuver et pour le congratuler. Beaucoup de souleveurs de requins étaient avec lui à ce moment-là et s'inclinèrent devant lui en respect. Les scientifiques ont commencé à mesurer ses biceps avec les objets qu'ils avaient apportés pour mesurer le requin. Les feux d'artifice explosèrent dans les airs, ouais. Son ancien rival, Galacticus Prime, était là aussi. Et il le hocha de la tête pour prouver son approbation. Et son vieux manager sautait de joie en l'air en faisant le symbole de Money Shot avec ses mains. Ah bah très bien. Gloire au nouveau souleveur de requins, champion international! Gloire à Massive Von Svoled III et ses muscles! Et c'est comme ça que le tour du monde de Massive Von Svoled III s'était terminé de manière épique dans la célébration et la victoire. Ainsi, une vie très heureuse, encore et pour toujours, avec son sidekick incroyable et maintenant sa femme, Elisabeth Moron IV. Depuis là, il a pris le jardinage et il a l'air d'avoir abandonné toute forme de soulevage de requins pour de bon. Ou peut-être Massive se fit un pas de côté pour révéler son projet secret. Un aquarium de jardin gigantesque. Ah, je vais continuer à lifter mes amis et je serai libre jusqu'à la prochaine fois. Oh là 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 là. Et on te met tous les records. Oh là 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 là. C'est beau! C'est beau! Et ben voilà, c'était Shark Lifting 2! Avec la musique! Nanana. Nanana. C'est trop fort! Oh là 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 là! Cet homme en slip! Imbloquable! Inguacable! Et ben voilà, c'est fini! Petite vidéo à la con qui nous aura pris 40 minutes! Hein. Tu parles d'une nuit d'insomnie quand même! Hein. C'est les jeux nuls. Mais quel plaisir et quel régal, chers amis.
Quel régal pour les yeux. Est-ce qu'on a vu DSK? Est-ce que je peux voir DSK? Il est où? Oh, ce boule! Oh là là. Hall d'Uzul dans son siège. Voilà. Les travailleurs, on est bien. Oh là là! Kung Fu Fucker! Ah, il est beau, lui, hein. Ah la vache, lui, c'est du Kung Fu King qui fait, c'est incroyable. L'autre qui soulève son petit requin, c'est adorable. Enfin, un petit requin, ça respecte. Hein. Ça respecte le piaf. Tain, il va sortir tous les gifs, hein. Il est où, DSK? C'était chaque fou. On me dit que c'est chaque fou. Et c'est vrai que c'est chaque fou, il faisait les mêmes mouvements que chaque fou, en fait. Donc ça se trouve, c'est vraiment chaque, en fait. L'homme en slip est vu dans Yakuza 0, bien sûr, bien sûr. La fin! C'était trop tard, hein. Il était la DSK, hein. C'est beau. Victoire totale, chers amis, c'était Shark Lifting 2 pour plus de plaisir. Oh. Sur ce, brave Jean, merci infiniment pour cette nuit d'insomnie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. C'est ça qui est bon. Allez, zou. Oh.